te poursuit dans tes rêves. Tout ce que tu ressens dans ton cœur. Qui es-tu? Ouais, comment sa langue sort? Que tous ces pans dans ta vie soient écrasés par des pieds. Par des pieds, écrase tous ces pans. Tous les scorpions. Vous tous, vous nous suivez en direct. Tous ces pans, tous les scorpions, écrasez-les. Comment tu as fait? Le fait, c'est ta vie. Parle. Comment tu es entré? Et comment tu suis son sang? Le fait de ton corps. Dans Jésus. Que toute langue de serpent qui parle contre vous soit consumée par le feu. Soit consumée par le feu. Que le feu du Saint-Esprit. Pas de main, pas de pied, demande. Par cette mot. Je te prie maintenant. Je te prie maintenant. Allez. Pas d'aide. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie-Elisabeth. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? J'ai entendu un serpent. Tu as entendu un serpent? Oui, papa. Mais qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as vu? Je ne pouvais pas me retenir. J'étais lourd. Tu avais comme une force en toi. Oui, papa. Est-ce que souvent dans tes rêves tu vois ce serpent-là? Oui, papa. Mais il vient d'où? Je ne sais pas. Tu as déclaré libre au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut battre ta main très fort pour le Seigneur? Merci Jésus. Le feu, par le nom de Jésus. Le feu. 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 Qui es-tu? Je protège le village. Elle protège quel village? Que le feu te consume. Comment tu t'appelles? Qui comprend ce qu'elle dit? C'est dans quelle langue? Comment tu t'appelles? Par l'autorité du nom de Jésus, je te commande de parler de l'inconnu. Je suis maître de sa famille. Et c'est moi, le grand tout-puissant. Quel est ton nom? Je te le donne au nom de Jésus. Je suis un grand guerrier dans le monde des ténèbres. Je m'appelle Kuntelo. Tu t'appelles Kuntelo. Comment tu opères dans sa vie? Je détruis tout. Tu as détruit quoi? Son mariage, son voyage. Mais comment tu opères dans sa vie pour détruire son mariage, son foyer? Nous n'avons rien, c'est sa famille qui tisse une alliance. C'est par les adorations que tu opères dans sa vie. Oui, l'alliance famille de... Une alliance a été tissée, on doit la détruire. Mais pour tes prix, comment tu opères dans sa vie? À l'autorité de... Moi. Parce qu'elle est avec toi. Mais pour tes prix. Une alliance a été tissée dans cette famille. Est-ce que cette fille t'a adoré? Elle ne m'adore pas. Mais ses parents ont le privilège de m'adorer. Comment un démon peut dire qu'ils ont le privilège? Je te déclare libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, pas comme le Seigneur, qu'est-ce que tu... Ma fille, comment tu t'appelles? Augustine.
Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? C'était pour être, je sais pas. Mais quels sont les souvenirs qui te reviennent un peu tout à l'heure? Je sentais comme au début un sifflement de serpent. Et par la suite, c'est comme si je me retrouvais dans mon village. Ton village, c'est où? Abi. Est-ce que tu es au courant d'un esprit que tes parents adorent? Oui, effectivement. C'est quoi? Ils adorent l'eau. Comment on appelle l'eau là? Qui es-tu? Bon, nous, c'est la lagune Abi que je connais. Mm-hmm. Le reste, je... L'esprit a donné son véritable nom. Est-ce que tu es marié? Je ne suis pas mariée. Tu travailles? Oui, je travaille. Tu fais quoi dans la vie? Je suis assistante de direction. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Tu as des enfants? J'ai un enfant. Et son père où? Il est là, ça n'a pas marché, on s'est séparés. Ça n'a pas marché? Oui. C'est l'esprit là qui faisait ça. Quelles sont tes relations avec ta mère? C'est très difficile. C'est très difficile. Dès demain, tu payes un cadeau. D'accord. Hein? Tu fais passer ça ici pour que le père Eugène bénisse ça. D'accord. Et le mercredi, pas le mardi, le mercredi, tu vas donner ça à ta maman. Tu lui demandes pardon. Dieu t'a libéré, il faut vivre ta chasteté. Qu'est-ce que tu promets à Dieu? Je promets de l'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort pour lier sa délivrance au nom? Merci Seigneur.